Je fais l'exercice de concentration, mon focus vraiment en apnée après les respirations. Bien inspiré, on relâche. Inspiration passe active, expiration passive. Avoir des sensations de gonflement dans le corps. Tout ça c'est normal quand vous êtes en apnée, c'est la sensation d'oxygène. Voilà, d'une personne à l'autre, ne vous effrayez pas, c'est tout à fait normal si vous sentez même dans les pieds, vous sentez léger à l'intérieur. Juste le tout c'est de ne pas exagérer, de ne pas forcer et d'écouter son esprit et sa balance, voilà, son moi intérieur. Simplement 30 inspirations, expiration. Après 30 inspirations, expiration, vous expirez l'air qui vous reste dans vos poumons. Vous restez en apnée le plus longtemps possible. Vous pouvez vous chronométrer pour voir. Et vous verrez que plus vous faites des séances, donc à la première vous tiendrez peut-être 1 minute, peut-être 1 minute 10, 1 minute 30. La deuxième vous tiendrez 1 minute 20, 1 minute 50. Et vous verrez que à force de le faire, vous tiendrez plus longtemps, vous resterez plus longtemps en apnée. Voilà. Essayez, super, donc ceci, vous le faites 3 fois, 3 séries, 3 respirations. Nice. Encore une dizaine de fois.
l'air régulier, comme un cercle. On inspire à fond. 2. 1. Inspirez à fond. Last one. 4, regardez juste le temps, comme ça on dépasse pas les 7-8 minutes. Après cette tweet.
donc simplement on savoure le froid, on force pas, on écoute, on apprécie, concentration, on respire calmement. Voilà, essayez les gars, prenez des douches froides, prenez des bains froids. Et toujours, ne forcez pas, écoutez toujours votre corps et vos limites.